Donc bah bonjour à tous, c'est Matt du 29 et donc on se retrouve. Alors il n'y a pas de musique dans ce jeu, c'est bien, sauf qu'il y a la... après il y aura le bruit du bus. Hein. Donc voilà la petite interface. Donc c'est très facile d'utilisation. Donc il y a voilà mon nom, ce sera comme ça mon nom de conducteur, mon numéro de conducteur et mon code le conducteur, mon code pour le pour la carte. Ça c'est toutes les erreurs que j'ai faites, donc les Mais toutes les fois où il fait froid dans au niveau des compartiments passagers, délai, donc ça c'est quand je suis en délai, donc c'est-à-dire quand je suis en retard. Quand j'ai renversé un piéton, là c'est... Les délais, voilà, j'ai 12 délais au total. Pourquoi il y en a 3? Sinon, je suis arrivé 0 fois à l'heure, d'accord. Ah si, ou 30 fois alors. Ah, peut-être. Et par contre, j'ai grillé 6 feux rouges. Voilà. Donc il y a plein de choses qui est... Il est pas mal comme jeu. Donc il y a un petit tutoriel qui est fort sympathique. Donc ben je vous conseille, si vous voulez faire le tutoriel, de le faire. Il est très bien, il est super bien fait. Même qu'on soit français, même s'il est en anglais, il est facile. Hein. Je vais pas le faire parce que je l'ai fait une fois, ça suffit. Donc ça c'est pour changer tout ce qui est le temps, la température, le jour, la date. Donc on peut mettre n'importe quand. On peut se mettre. Par exemple aujourd'hui à la date du 8 juin, et puis on peut se mettre à... on va se mettre à aller à 2 heures, même s'il est plus que ça. Voilà, on peut régler le temps, on peut le régler, l'heure, la date. On va mettre ça par exemple. Dans les options, je vais pas expliquer, hein, c'est les options, les contrôles, c'est pour modifier les touches et tous ces trucs-là. Le design, ça on peut rien faire. Et ça, on peut faire que quand on est dans une partie le plus technologie. Donc, je vais tout de suite charger une partie. Ben, charger. On va charger à partir du dépôt. On va prendre un man à 2 portes. Et donc, on va se retrouver tout de suite après que j'ai fini de charger la partie. Donc, à tout de suite. Alors. Voilà, donc on se retrouve. Alors, je sais que ça lag un petit peu, mais c'est normal. Donc ici, on actionne les boutons des portes à la main, donc avec le clic gauche. Donc on va attendre. Je veux bien, mais moi je veux bien aller... Voilà, à l'intérieur. Donc ça c'est notre bus qu'on va conduire sur ces 2 épisodes. Alors donc on va rentrer. Donc pour rentrer dans le bus, il faut déjà commencer par ouvrir les portes. Donc on se met près des 2 petits boutons qui sont en bas, près des feux. Là. Alors pourquoi j'arrive pas? Hop, voilà, on appuie dessus, on ouvre la porte. C'est très bien fait. Moi j'adore ce jeu, bien fait je trouve. Donc on monte, on appuie sur C et là, alors je vais mettre la petite souris, comme ça vous verrez à peu près tout ce qui va. Donc là c'est l'ordinateur de bord, donc tout ce qui permet d'avoir la radio, d'avoir nos, en fait d'être en communication avec ceux qui s'occupent de ça. Donc là j'ai activé. Alors le tutoriel est très explicatif, donc il vous expliquera vraiment comment faire. J'essaie de mettre le jus. On va fermer la porte parce qu'on n'a pas besoin. Alors bien sûr, comme d'habitude, on a besoin... Oui, je sais, oui. Ça siffle, c'est normal. On va insérer notre carte. On va attendre. LUOM, donc c'est moi. Et donc on va attendre que ça charge. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir rentrer ici dans le petit ordinateur de bord le numéro de conducteur, si j'y arrive. 2, 4, 1, 4, 5.
5, Z et tout. On peut mettre que 5 de toute manière. Si. Allez. Donc, le temps que j'entre ça. Il est vraiment simple comme jeu, mais alors. Par contre, faut faire gaffe au trafic, faut faire gaffe au feu rouge et faut faire gaffe aux piétons. Ça, on va faire board. On va aller dans radio message. Alors, ici, setting. Je vais mettre la caisse, comme ça, ils vont payer. L'annoncement, on va le mettre. On va faire aboard. Et on va aller dans radio. Parce que dans les radios, ils vont nous dire dans receive order. On va aller sur la chaîne numéro 2. Donc radio numéro 2. On va attendre. Ils vont nous donner le numéro de la route. Le numéro de la ligne. Qu'on doit voilà. Pour. Donc du coup, c'est la ligne. Donc après, on va devoir choisir l'arrêt où on doit être. Donc il y a deux types d'arrêts. À chaque fois, il y a deux arrêts. Soit il y a en fait soit d'un sens, soit dans l'autre. Donc du coup, on va prendre celui de 14h27. Je sais pas si j'aurais dû le prendre. On va remettre en haut parce qu'on a, je vous signale, à confirmer que c'est bien nous. On va se mettre ici sur 0. Non. Alors, du coup, on accélère. S'il va bien. Les portes, on les ferme. Il fait combien de degrés là? Alors ça, c'est l'écran qui affichera les. Alors par contre, il aime pas. Quand il fait ça, c'est que ça va pas. Donc out. À mon avis, ça c'est D, c'est intérieur. Il fait 17. Bon, on va remettre. On va mettre un petit chauffage. Comme ça, il va faire bien chaud. Ils ne feront pas chier. On va faire ça. On va mettre ça et ça. Puis ça tant qu'à y être. Voilà. Ça, c'est OK. Donc maintenant, eh ben, on y va. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relâcher. Par contre, faut pas trop freiner parce que si on freine trop, c'est frein d'urgence. Alors ici, on freine et on passe. En D. J'ai dit D. Donc on y va. Voilà, alors là par contre ça va être chiant. Donc on se retrouve tout de suite au premier arrêt. Donc bah on y va. C'est parti. Allez, à tout de suite.
Donc du coup voilà, on se retrouve donc au premier stop, hein, donc au premier arrêt, pour tout simplement prendre, vu que c'est le départ de la ligne, pour prendre bah, ceux qui ont besoin de prendre le bus sur cette ligne. Donc du coup c'est pareil que Bus Simulator 2012, sauf que là les gens, les piétons montent vraiment, réellement, et ne tournent pas en rond pendant 10 heures. Façon de parler. Voilà. On va s'arrêter, si possible, et ouvrir les portes. Certains se décident à venir. Elle, par exemple. Non, je sais pas, je peux être en train. Viele Leute sind derzeit im Bus. Sende uns bitte einen Statusbericht zu. Was ja gut. Il y a 0 hein, pour l'instant, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus mais... Alors, il veut savoir si... Oui, non. Les passagers. On va lui répondre. Empty. Oh, attendez. Moi, je suis pas con, hein. Ah, mais... Ouais, je suis là, hein. Hop, ça y est. Renverser un passager. Ah non, red light. Ah oui, bah oui, les lignes de bus. Ah, les cons. Ah merde. Forcément, quand c'est le petit orange, le petit rond, on peut, et quand c'est la barre qui va vers la route, on peut aussi. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Une fois, on aura mieux. Ça va, c'est un jour. Et puis, c'est par là, niveau choc ligue. Là, on a encore les barres, donc ça fait pas un bateau.
retard, c'est pas grave si on est en retard. Ça sera compté dans nos pénalités, et puis c'est tout. Donc du coup, ben, on va se dire à la prochaine. Ben, à tout de suite dans le deuxième épisode, toujours sur Munich Bus Simulator 2012. C'est parti pour le deuxième épisode. Allez, à tout de suite.